Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 juin 2023. Il est 9 h quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info du jour hier, donc la députée européenne Nathalie Loiseau, qui est en même temps donc la présidente de la sous-commission de sécurité de défense du Parlement européen, était en Arménie. Elle s'est rendue en hélicoptère donc dans le sud de l'Arménie, donc à Goris, et puis à la frontière, dans le Sunik en fait, hein. Aussi à l'entrée du corridor de Latchine. Donc là, elle a constaté qu'effectivement, il y avait un blocus qui était réalisé par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens de l'Artsakh. Elle a aussi affirmé que, donc ça c'est important quand même, le Parlement européen soutient pleinement l'idée d'envoyer une mission d'enquête internationale dans le corridor de Latchine. En fait, c'est le constat en fait, du blocus du corridor de Latchine. Bakou affirme que finalement le corridor est ouvert, ce qui n'est pas vrai. Et là, c'est le constat de visu de la députée européenne, et donc là, qui demande donc à l'Azerbaïdjan l'envoi d'une mission internationale de l'Union européenne dans ce corridor de la Chine pour constater que le blocus est effectivement réalisé, c'est un fait. Donc ce n'est pas les Arméniens qui le disent, ce sont les parlementaires européens qui le disent, les observateurs internationaux qui le disent. Voilà donc l'action de Nathalie Loiseau, qui est française, hein, donc qui est là en Europe, justement déléguée en Arménie, à la frontière arméno-azérie. C'est une bonne chose pour l'Arménie, voilà, de ce constat donc d'une députée européenne qui, comment dirais-je, qui est un personnage incontournable de la mission étrangère de l'UE aux frontières de l'Europe. Voilà. Hier, donc, l'autre déclaration forte, donc la représentante du ministère russe des Affaires étrangères, enfin la porte-parole, Maria Zakharova, a demandé à l'Azerbaïdjan, a exhorté l'Azerbaïdjan de ne pas prendre en otage la population de l'Artsakh, du Haut-Karabakh. Voilà donc aussi une déclaration assez forte. Par contre, en même temps, elle affirme que les accusations portées contre les casques bleus russes, les forces de paix russes en Artsakh, sont absolument sans fondement. C'est ce qu'elle a affirmé en fait par rapport à l'affaire du drapeau azéri sur le corridor de l'entrée du corridor de la Chine, sur le pont de Hakkari, où les soldats russes aidaient donc les Azéris à déployer donc un grand drapeau azéri, que les Arméniens ont d'ailleurs repoussé, donc aujourd'hui le drapeau n'y est plus. Hein. Mais voilà, donc accusation, donc convocation de l'ambassadeur de Russie à Yerevan, Sergei Kopetkin, qui n'a pas donné de vraie réponse. Et là, la diplomatie russe affirme que ces accusations de l'Arménie sont sans fondement. Alors qu'on a des vidéos, on a vu de visu pleinement, il y avait même le commandant en chef des forces de sécurité, des forces de paix en Artsakh, qui était présent lors de cet essai de mise du drapeau azéri sur le territoire arménien, en fait, à l'entrée du pont de Hakkari, du côté arménien, sur le territoire souverain de l'Arménie. Et là, la Russie n'est pas en toute mauvaise foi, réfute les accusations de l'Arménie. Alors, entre 2008 et 2018, selon diverses sources, l'Azerbaïdjan a acheté pour environ 5 milliards de dollars d'armes à la seule Russie, selon Vakhan Aleksanyan, qui a fait un rapport au Parlement. Donc Vakhan, c'est un député de la faction contrat civil à l'Assemblée nationale d'Arménie. Voilà. Et puis l'Azerbaïdjan a bien sûr acheté des armes à d'autres pays comme Israël, la Biélorussie, bien d'autres pays, mais en tout cas rien que pour la Russie. 5 milliards de dollars, ce qui est énorme. L'Arménie, entre 2008 et 2018, avait acheté pour 350 milliards de dirhams, soit moins d'un milliard de dollars en 10 ans d'armes, voilà, ce qui est très peu. Par contre, de 2018 à 2020, donc jusqu'à la guerre de 44 jours, l'Arménie a acheté pour 608 milliards de dirhams, soit 3-4 fois plus que la période normale. Donc, dans l'ère Pachinian, l'Arménie s'est mieux armée. Par contre, la guerre de 44 jours est venue un peu trop tôt pour cela. Voilà, donc aussi donc pour justifier que le gouvernement Pachinian n'a pas comment délaissé la guerre. Elle a armé l'Arménie, mais ce n'était pas assez, tout simplement. Par contre, dans la décennie précédente, la décennie Kocharian-Sarkissian surtout, rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait, donc voilà, en achat d'armement. L'Arménie se reposait sur ses lauriers, tout simplement, pendant 30 ans. Et on a vu donc le résultat lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Alors, il existe un consensus important sur le fait que le processus de déblocage commence avec la remise en service du chemin de fer Yerask Horadiz, affirme le vice-ministre arménien
Premier ministre arménien pardon, on le voit d'ailleurs tous les jours, hein, qui s'appelle vice-premier ministre arménien. Alors, écoutez, c'est Meher Grigoryan, bien sûr, Meher Grigoryan, tout le monde le sait. Voilà, donc en fait, un consensus pour l'ouverture donc de ce chemin de fer. Il y a quand même un investissement important à faire. Et là, ce chemin de fer relie l'Arménie au Nakhitchevan et à l'Azerbaïdjan, est un couloir de passage de communication important, voilà, qui longe les frontières de l'Arménie et qui est important selon Meher Grigoryan, donc qui veut s'entendre avec son homologue azéri pour discuter de cela. Alors, que dire d'autre, mes amis, à part cette mission? Ben, écoutez, on a fait le tour de l'actualité, me semble-t-il. Alors, je regarde s'il y a deux, trois autres infos importantes aujourd'hui. Oui, l'Arménie et l'Azerbaïdjan vont reprendre les pourparlers sur la délimitation des frontières. Et hier, Maria Zakharova a affirmé que c'est une bonne chose, que la Russie soutiendra ce tracé frontalier et elle est même prête à participer à cette entreprise. Voilà, pour pas lâcher, en fait, la Russie essaye à tout prix de ne pas lâcher le Sud-Caucase aux Américains ou aux Européens. C'est aussi l'enjeu de cette pression. Voilà. Les 54 représentants du Congrès américain demandent à Joe Biden d'arrêter l'aide militaire à l'Azerbaïdjan et de soutenir l'Artsakh. C'est ce qu'a publié l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, l'équivalent du CCAF France, donc aux États-Unis. Voilà, les Arméniens, donc le lobbying arménien des États-Unis, donc a déjà 54 membres du Congrès qui demandent à Joe Biden l'arrêt des fournitures d'armes d'aide militaire donc à l'Azerbaïdjan et le soutien entier à l'Artsakh, c'était une bonne chose. Alors, nous appelons la population du Haut-Karabakh à ne pas lâcher prise, de ne pas être prise en otage. En fait, oui, une nouvelle fois, donc Moscou a demandé à Bakou de ne pas prendre en otage la population civile de l'Artsakh. Donc hier, lors de la déclaration de Maria Zakharova, qui a dit beaucoup, beaucoup de choses, mais en fait, à tous les niveaux, elle ramène quand même à la Russie la protection. Alors que Nathalie Loiseau, donc la députée européenne, hier, à Goris, dans le Sunik, ou à la frontière près de l'entrée du corridor de la Chine aussi, elle a quand même constaté beaucoup de militaires, des forces, des militaires russes, sans doute des forces de paix russes, mais qui ne font rien, qui ne débloquent pas le corridor de la Chine, mais qui sont là, qui traînent même sur la frontière de l'Arménie. Alors, si ce n'est pas une collusion entre Moscou et Bakou pour le corridor de la Chine, pour faire le blocus et derrière demander de façon, comment dire, factice à l'Azerbaïdjan de lever le blocus, c'est peut-être aussi l'hypocrisie à la russe, hein, qui est en train de se jouer au détriment des Arméniens. Pachinian n'aime pas le gouvernement démocratique non, plutôt Poutine n'aime pas la démocratie arménienne parce qu'elle est en contradiction complète avec ses plans dictatoriaux, hein, et puis de la région. Et peut-être que la Russie essaie de sanctionner ce gouvernement Pachinian en bloquant le corridor de la Chine, parce que si la Russie, elle voudrait, en une journée, elle débloque le corridor de la Chine. Ça fait plus de 6 mois que les 120 000 Arméniens, nos frères et sœurs, sont bloqués, donc sont victimes du blocus de l'Azerbaïdjan. Dedans, il y a 30 000 enfants qui ne vont plus à l'école, qui n'ont pas enfin, aujourd'hui, donc le chauffage se pose moins puisqu'il fait un peu plus chaud, mais il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien en fait, les magasins sont vides. Et les 120 000 Arméniens donc de l'Artsakh luttent tous les jours pour leur survie, sans que le monde bouge beaucoup. Bien sûr, il y a un peu encore des initiatives politiques, j'allais dire, mais sur le terrain militaire, il n'y a rien. Donc du coup, les Arméniens sont soumis à leur sort face à l'Azerbaïdjan d'Aliyev, qui est cynique et qui essaye de faire du nettoyage ethnique, de tuer les Arméniens à petit feu sur leur territoire de l'Artsakh, qui est arménien depuis la nuit des temps, hein, Loudik, donc la région d'Loudik, je pense, de l'Arménie antique, hein, c'était l'Artsakh, c'était peuplé par les Arméniens. Les Azéries, on n'en parlait pas du tout, on a parlé 2000 ans après, 3000 ans après, on a parlé des Arméniens, des Azéries, tout simplement, qui est un peuple, comment dirais-je, formé d'envahisseurs d'Asie centrale, avec quelques peuples autochtones aussi, il faut le dire, mais voilà, qui n'ont pas la culture ancestrale des Arméniens et n'étaient pas sur ce sol du territoire de l'Artsakh avant les Arméniens. Ils sont venus bien après, en conquérant, en envahisseurs. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une invasion donc turco-azérie sur le territoire de l'Artsakh, sur le territoire de l'Arménie, avec bien sûr des données un peu plus, comment dirais-je, importantes aujourd'hui
Il y a une diplomatie, il y a une Europe qui, tant bien que mal, essaye. Il y a aussi les États-Unis qui sont, depuis l'élection de Biden, avec Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, le porte-parole, enfin le secrétaire d'État américain, qui s'intéresse de plus en plus à ce Sud-Caucase et à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie. C'est peut-être une bonne chose. Lors de la guerre de 44 jours, à l'époque de Trump, les États-Unis avaient fermé les yeux donc, sur ce qui se passait donc, en Arménie, au Sud-Caucase et en Artsakh lors de la guerre de 44 jours. Aujourd'hui, Washington, quand même, essaye de prendre des fois même l'initiative des négociations entre Pachinian et Aliyev. C'est une bonne chose que la diplomatie internationale occidentale s'intéresse aussi à l'Arménie et à l'Artsakh, au détriment peut-être de la Russie, qui essaye de redoubler d'efforts pour revenir au Sud-Caucase. Voilà, donc c'est tout l'enjeu en fait de cette politique donc de Moscou. Voilà, mes amis, ce qui nous intéresse, c'est l'Arménie et l'Artsakh, et c'est surtout la paix, et puis que le peuple arménien puisse retrouver donc vie et liberté sur ses terres d'origine et vivre normalement, tout simplement. C'est tout ce qu'on demande. Sur ce, mes amis, bonne journée et à demain.